Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose du filet de sole avec du riz et du poireau. Donc ici j'ai 4 filets de sole, c'est du filet de sole congelé. Là il nous faudra de l'eau pour recouvrir nos ingrédients. Là vous avez 300 g de poireau, c'est du poireau congelé. Ici je mettrai un cube de courbouillon, 300 g de riz et puis là j'ai préparé une petite sauce citron moutarde. Donc vous avez 200 ml de crème fraîche, une cuillère à café de moutarde et 20 ml de jus de citron. Et puis on peut mettre du poivre et du sel, ça c'est selon la convenance de chacun. Allez, on démarre notre recette. Là c'est une recette qui est très rapide à réaliser, il n'y a pas de mode doré. On met directement les ingrédients dans la cuve. Donc là je commence par mon riz, ensuite je vais mettre les poireaux, je vais verser mon bouillon. Donc là j'ai émietté le cube de courbouillon dans l'eau, voilà. Allez, on mélange. Pour le sel et le poivre, moi je rajoute ça au moment de déguster. Je vais ajouter mes filets de sole, je le mets dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer notre cuisson. Pour la cuisson, on va passer en mode manuel. On se met en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, on va regarder le temps indiqué sur le paquet de riz et on va diviser par deux. Moi, c'est du riz 10 minutes. Je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Vous fermez le couvercle. La cuisson est terminée. Je vais mélanger tout ça. Alors mon poisson, bien sûr, va s'effriter. Mais c'est pas grave. Maintenant, je vais rajouter ma petite préparation avec ma crème fraîche, ma moutarde et le jus de citron. Vous mélangez tout ça. Une fois que vous avez tout mélangé, vous pouvez consommer cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.